Good. On est dans la, la lettre de Paul à Tite ce matin et on est dans une série qu'on a commencé la semaine passée pour essayer de comprendre un petit peu mieux euh, ce que c'est que l'Église de Dieu et de quelle manière est-ce que Dieu a, a enseigné à son Église à, 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 à mettre en ordre. On a vu Paul enseigner à Tite de mettre en ordre les choses qui restent à, à mettre en ordre dans, le, dans, dans la grande crête avec plusieurs Églises euh, qui sont là-bas. Et, euh, et on veut réfléchir ensemble. C'est quoi exactement? C'est quoi le fondement d'une Église en santé? On veut voir c'est quoi une Église en santé et de quelle manière est-ce qu'on est capable d'ajuster peut-être ou de suivre les principes bibliques pour être une Église qui reflète euh, le cœur de Dieu. Donc, on se pose la question ce matin, on a vu la semaine passée que l'Église naît par la parole, on a vu la semaine passée euh, qu'elle est venue à, à l'existence à travers la prédication de la parole de Dieu. Et euh, on a vu que le thème principal de Tite, c'est que les chrétiens puissent euh, non seulement comprendre et connaître la vérité, mais que cette vérité-là qu'on entend et qu'on comprend de l'Évangile, normalement, nous conduit à la piété. Autrement dit, la vérité change quelque chose dans notre vie. Alors, elle ne fait pas juste remplir notre tête de connaissances, mais elle amène une transformation dans la manière dont on vit notre vie. Et ce matin, on regarde au verset 5 à 9 de Tite 1, puis on va regarder ensemble. Par quoi est-ce que ça commence? Lorsqu'on parle de mettre de l'ordre dans l'Église, lorsque Paul enseigne à Timothée, c'est temps de mettre de l'ordre dans l'Église, quelle est la première chose à mettre en ordre? Quelle est la, la première chose qu'on doit, qu doit s'assurer que c'est bien établi avant de passer à quoi que ce soit d'autre dans la structure d'une Église en santé? Quelle est la première chose à établir pour avoir une Église saine? Et selon le Nouveau Testament, et selon le texte qui est devant nous dans les versets 5 à 9 ce matin, on voit que la première chose à établir dans une Église pour qu'elle soit une Église en santé, c'est d'établir le leadership de l'Église. Le mot leadership est pas dans votre Bible en passant. Mais c'est d'établir les anciens dans l'Église, la structure de qui va diriger dans l'Église et de quelle manière ça va se faire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les versets 5 à 9. On voit de quelle manière est-ce que Paul enseigne à titre à établir des anciens qui vont diriger selon le cœur de Dieu. Et, qui vont pouvoir être, et de quelle manière les choisir aussi et les établir. C'est vraiment pertinent de constater les qualificatifs bibliques. C'est vraiment pertinent de comprendre ce que la Bible enseigne à propos de qui peut devenir un ancien et de quel est son rôle et de comment ça se passe dans une église locale. C'est important de le comprendre pour nous à l'église doxa. Parce que pour l'instant, je suis le seul pasteur, ancien. Vous allez voir, on va interchanger entre pasteur, anciens et évêque ce matin, parce que la Bible utilise un peu comme des, des synonymes ou des compléments du même rôle. Mais on a aussi les anciens de l'Église de l'Espoir qui sont nos anciens, pas localement parce qu'ils sont à Longueuil. Ils viennent nous visiter une fois de temps en temps, ils viennent nous encourager, ils sont avec nous. Mais pour l'instant, on a un conseil d'anciens qui, qui est à côté et on prie pour que Dieu puisse élever... Dans l'église Doxa, des anciens qui vont pouvoir prendre cette responsabilité et prendre ce rôle que Dieu les appelle à prendre. Pour l'instant, on a les anciens de l'Espon, puis on a un seul ancien en formation, l'église Doxa, qui est en train de servir nos enfants ce matin en bas, qui s'appelle Francis Laberge. Donc, Francis est, est un ancien en formation à l'église ici. Il est avec nous dans chacune des réunions d'anciens qu'on peut avoir. Il prend de l'expérience, il est en train d'étudier. Mais on prie qu'à travers cette lettre, l'église au complet puisse avoir une meilleure compréhension de qui est appelé à être ancien. Et de comment ça se passe. Et même à travers de tout ça, j'en profite, Francis est en bas. Même à travers de tout ça, l'appel qu'on lance à l'Église, c'est de pouvoir évaluer aussi ceux qui sont en ce moment anciens en formation. Donc la responsabilité, c'est de pouvoir reconnaître est-ce que Francis est qualifié est-ce que Francis, là, vous allez juste penser à Francis pendant tout le service, là, mais vous allez penser à vous aussi, parce que je crois que Dieu peut élever dans le cœur de plusieurs ce désir, cette aspiration-là. Mais est-ce qu'il se qualifie? Puis en même temps, vous pouvez évaluer votre pasteur qui se tient devant vous en ce moment, puis pouvoir dire est-ce que notre pasteur se qualifie comme pasteur? Parce que votre rôle, c'est de pouvoir parler et de pouvoir venir me, me corriger et me reprendre si jamais je ne remplis pas l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Donc, on va voir ensemble dans les versets 5 à 9 ce que Paul enseigne à Timothée. Et une des choses qui. qui qui est un fléau euh, réellement dans les Églises depuis plusieurs années, c'est la méthode par laquelle on, on procède pour pouvoir établir des leaders dans l'Église. Une des choses qu'on a vu depuis, depuis, ça date depuis longtemps, là, mais on le voit d'une manière très particulière dans les dernières années, parce qu'on voit énormément de pasteurs qui, qui sont déchus, qui tombent, qui font des choses euh, qui ne devraient pas se faire. Et, et il y a beaucoup de douleur dans notre cœur à chaque fois qu'on voit des pasteurs tomber de la sorte. Il y a beaucoup de... de, 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 de euh, D'abus de, de, qui est fait, autant, autant du côté, euh, euh, j'allais dire plutôt, beaucoup de, de pasteurs qui souffrent parce qu'on les a mis dans un poste où est-ce qu'ils ne devraient pas être. Puis il y a beaucoup d'églises qui souffrent parce qu'on a mis des hommes dans des postes qui ne devraient pas être. Donc la question qu'on veut se poser, c'est pourquoi Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça, que ça a dérapé de cette manière-là Une des réponses, c'est que je crois que dans les dernières années, on s'est penché beaucoup sur le pragmatisme plutôt que de se pencher sur la parole de Dieu. On a essayé de trouver surtout les personnes qui étaient flamboyantes, qui étaient extraordinaires, qui sortaient du lot, qui étaient surtout extraverties, puis quand on les regardait, on était facilement impressionné, au lieu de trouver des caractères saints comme la Bible nous enseigne ici dans le texte de Titre. On a essayé de chercher qu'est-ce qui marche rapidement, qu'est-ce qui peut faire lever une Église rapidement et multiplier rapidement, au lieu de chercher le standard qui est biblique. Et le nombre de passages dans le Nouveau Testament, que le Saint-Esprit a inspiré, qu'il a cru bon de nous laisser. En regardant l'ensemble des textes, on peut affirmer avec certitude que la structure de leadership de l'Église est importante pour Dieu et donc est importante pour nous. Que Dieu nous a laissé des consignes qui sont claires et donc on veut les suivre et mettre ça en pratique dans l'Église ici. J'aime la citation de notre président de, de, de la grande famille d'Église qui s'appelle le Great Commission Collective, euh, qui a dit ceci il a écrit un livre sur la. Euh, sur les anciens, sur le ministère d'anciens, qui s'appelle Healthy Plurality, puis il a écrit ceci boom, boom. Ah, voilà. J'ai pas de pouvoir encore, mais euh, Dave Harvey a dit ceci il a dit la qualité de notre pluralité détermine la santé de notre église. C'est la grande thèse de son livre qu'il a écrit sur le ministère des anciens. Autrement dit, euh, notre président dit lorsque le conseil d'anciens, lorsque le leadership de l'église va bien, l'église va bien. C'est difficile d'avoir une église en santé lorsque le leadership de l'église n'est pas en santé. Et une des choses tragiques, c'est qu'on a perdu beaucoup confiance dans le leadership d'église. On s'approche d'une église, on a peut-être été, euh, été blessé dans certaines églises, on a peut-être eu de la peine, on a peut-être vécu plusieurs choses difficiles. Puis là, on arrive dans une nouvelle église, puis, puis c'est très difficile, la relation. À cause de ça, beaucoup de chrétiens se détachent, puis on se dit ben, OK, je, bon, ben, je peux recevoir peut-être un peu, mais, mais je ne peux pas vraiment faire confiance parce que j'ai tellement été blessé, j'ai tellement vécu de choses. C'est triste parce qu'il y a tellement une beauté puis une profondeur à trouver dans la relation entre les dirigeants de l'Église, entre les anciens puis l'Église, puis on va le voir ensemble aujourd'hui que c'est triste de perdre ça à cause des, des failles humaines, puis à cause des péchés humains. La qualité de notre pluralité va déterminer la santé de notre Église. Donc, pour être biblique, on veut voir qu'est-ce que c'est exactement des leaders en santé. Mon cœur, c'est qu'ensemble, en tant qu'Église, on peut s'atteindre une grande clarté sur le sujet. Et chacun de nous, on peut se comprendre clairement ce que c'est qu'un ancien et c'est quoi son rôle. Et qu'ensemble, on peut s atteindre une grande et une puissante unité entre les anciens et entre les membres de l'Église. Parce que s'il n'y a pas cette unité-là entre nous, ben notre Église sera absolument pas en santé. Je vois déjà les visages, hein? je vois la lourdeur du sujet, parce qu'il y en a plusieurs qui ont vécu des choses dans plusieurs Églises je sais que c'est un sujet tortueux. Je sais que c'est encore pire de dire, ben, notre pasteur qui est à nous va nous parler de c'est quoi un pasteur et comme il prêche pour sa, sa, sa propre patrie, comme on dit, ben, mais ça reste que c'est le texte biblique. Donc, jugez dans votre pensée, alors qu'on regarde dans la parole de Dieu, jugez est-ce que la Bible dit vraiment ce que notre pasteur est en train de dire ou non. Donc, je fais la lecture des versets 5 à 9, puis ensuite, on va prier et je vous donne l'idée principale du texte. Versets 5 à 9 de Tite 1. Paul s'adresse à Tite et lui dit Je t'ai laissé en crête. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier. Amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voici l'idée principale du texte qu'on voit aujourd'hui, la théologie du texte qui est devant nous. Une Église en santé va honorer une pluralité d'anciens qualifiés. Une Église en santé va honorer une pluralité d'anciens qualifiés. J'espère que ça va devenir clair pour chacun de nous dans le texte. Laissez-moi prier encore une fois. L Éternel, c'est avec, avec crainte et tremblement et beaucoup d'humilité que je m'approche de ton peuple ce matin pour ouvrir la Bible et parler d'un sujet comme celui-là. Père, je veux te demander que, que ta parole, que ton esprit fasse son œuvre dans les cœurs. Que tu puisses enlever peut-être nos, nos préconçus. Que tu puisses nous aider à ne pas lire la parole avec une lunette, une lunette de nos blessures passées, même si on ne veut pas les diminuer. On ne veut pas lire ta parole avec une lunette, Seigneur, de notre expérience. On veut lire ta parole comme elle est vraiment, comme étant ta parole de Dieu, et la recevoir comme étant, comme étant ta voix, comme étant toi qui nous parles. Je te prie, alors qu'on est en train d'avancer ensemble comme une jeune, jeune église, je te prie que tu nous aides en voyant dans, dans ce texte-là encore euh, à trouver un peu plus de, de solidité pour comprendre comment l'église fonctionne. Et Seigneur, je te prie que dans notre réception de la parole, dans notre application de l'écriture, tu puisses être glorifié. Amen. Une église en santé honore une pluralité d'anciens qualifiés. Et chaque mot de cette phrase-là sont extrêmement important. Premièrement, reconnaissons leur appel. Établis. Les anciens sont établis. Sont établis par qui? De quelle manière est-ce que les anciens sont établis et pourquoi? Ce qu'on retrouve dans, dans la parole, c'est que c'est le Saint-Esprit qui établit les anciens dans l'Église. Ce qu'on retrouve dans la parole, c'est que c'est le Saint-Esprit qui qualifie les hommes, que c'est le Saint-Esprit qui les appelle, que c'est le Saint-Esprit qui les établit afin qu'ils puissent accomplir leur ministère dans l'Église. Donc, c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais la Bible nous montre que c'est le Saint-Esprit à travers des hommes qualifiés aussi. De la même manière que Paul est en train de dire à Tite ici, il s'adresse à lui directement. Il dit Tite, regardez, regardez au verset 5 ici. Tite, je t'ai laissé en crête afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Paul est en train de donner une responsabilité claire à Tite. Tite, continue ce que j'ai déjà commencé. Continue l'œuvre qui a été débutée lorsque je suis venu en Crète et établis, toi tu dois... Trouver des anciens, il va répéter, c'est un peu une affirmation du leadership de, de Tite qui est faite à travers la lettre. Vous savez, Paul est passé là-bas et tout le monde reconnaît que Paul est le disciple de Christ, est un apôtre de Jésus-Christ. Et ici, alors que Paul s'adresse à Tite et cette lettre-là va être lue devant toute l'Église de Crète, ben, il est en train d'affirmer la responsabilité de Tite devant l'Église. Comme si euh, j'arrivais devant vous et je vous dis, « Bon, ben, je vais vous lire la lettre que Paul nous a envoyée ce matin. » Il dit, « Éric, tu dois faire telle et telle chose. » Donc, l'Église reçoit ça et se dit, « OK, Tite est en charge et Tite doit faire cette œuvre-là que Paul l'appelle à faire. »« Tite, tu dois établir des anciens dans chaque ville. » Et quand on regarde à l'ensemble de l'écriture, je vais vous montrer ce matin, préparez vos, vos Bibles ou préparez vos yeux à bien lire les versets qui vont être à l'écran, parce qu'on va voir beaucoup de versets qui ne sont pas dans le titre 1 ce matin, pour nous aider à avoir une vue d'ensemble de ce que la Bible enseigne sur le rôle d'ancien. Mais il semble que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune place pour l'Église où est-ce qu'il y a seulement un ancien qui règne. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où le conseil d'ancien n'est pas un conseil au pluriel, où est-ce qu'il n'y a pas de plusieurs anciens qui sont appelés à servir dans l'église. C'est le rôle que Tite est appelé à faire, à établir des anciens. Et comme si le texte de Tite n'était pas suffisant, je peux vous donner acte 14-23 qui va apparaître à l'écran aussi. On voit que le ministère de Paul et Barnabas, lorsqu'ils passaient après avoir prêché l'évangile et commencé des églises, eux-mêmes passaient dans les villes et eux-mêmes nommaient des anciens dans chaque ville. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Ici, on parle de liste, de icônes, de Antioche. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ici, lorsqu'on lit en français, ils firent nommer des anciens, le, le, excusez, le grec est littéralement, ils ont nommé des anciens dans chaque ville. Paul et Barnabas passaient, ils nommaient, ils établissaient des anciens dans chaque ville, où est-ce qu'ils allaient dans les églises. Donc, les apôtres eux-mêmes, dans l'ensemble des textes, c'est eux qui appellent et qui établissent des anciens dans les églises. Les apôtres ou les anciens qui étaient appelés à faire cette pratique-là. C'est aussi ce qu'on pratiquait à l'église Doxa. On croit que les anciens, les pasteurs de l'Église sont appelés à, à reconnaître. Ça veut dire que l'Église peut suggérer des gens. L'Église peut dire hey, :« j'ai l'impression que, que tel frère dans l'Église est, est, est qualifié. J'ai l'impression qu'il répond à ce que je lis dans l'Écriture. Est-ce que vous pourriez l'évaluer ou, ou passer du temps avec lui ?» Mais les anciens sont appelés à évaluer, à regarder, puis à pouvoir affirmer les qualifications d'un homme. On le reconnaît. Notre relation avec les anciens va changer dramatiquement si on croit que c'est euh, seulement un vote de popularité au lieu que de croire que c'est vraiment le Saint-Esprit qui établit ces hommes-là à travers le Conseil d'Anciens. Euh, dans plusieurs églises, et dont j'ai fait partie aussi dans le passé, la manière que ça fonctionne souvent, c'est que c'est la personne ou les, les hommes les plus populaires dans l'Église qui finalement vont, vont gagner puis vont pouvoir être anciens et qu'il n'y a pas nécessairement un, un suivi. C'est pas comme ça dans toutes les Églises, mais dans plusieurs Églises, c'est comme ça. Où est-ce que, bon, ben, si lui, est ami avec pas mal de monde dans l'Église, puis là, tu te rends compte qu'il que, qu y a un, un, un principe de popularité puis de, de vote de cette manière-là. À l'Église d'Oxon, on croit qu'on doit qu'on doit peser, qu'on doit tester, qu'on doit évaluer, qu'on doit s'assurer que la personne va remplir les critères bibliques qui nous sont donnés ici. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous, vous montrer des preuves dans le Nouveau Testament, et normalement ça devrait apparaître ici, de, des versets, tous les endroits où on parle des anciens dans l'Église, à chaque fois c'est au pluriel. Donc ce n'est pas normal euh, le modèle de, de pasteur un peu CEO qui est tout seul en avant, qui prend toutes les décisions tout seul, qui fait à peu près ce qu'il veut, puis qu'il n'y a personne qui peut rien dire parce qu'il est laissé à lui-même. La Bible nous enseigne que dans l'Église, il doit y avoir un, un, une pluralité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs anciens qui doivent diriger. Euh, ah, je les avais mis sur une même slide, mais vous allez les voir un après l'autre. Le Saint-Esprit, dans Actes 20-28, dit, vous avez établi évêque. Et ici, on parle au pluriel. Et il s'adresse à un groupe d'anciens. Ensuite... Acte 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Vous voyez des anciens, encore une fois, pas un ancien dans chaque église. Prochaine slide. Acte 15, 6, nous dit les apôtres et les anciens se réunirent ensemble pour examiner ces affaires. Lorsqu'il commence à parler des, des judaïsants qui essayaient d'imposer la circoncision et tout ça sur les chrétiens, bien, il y a une pluralité d'anciens et d'apôtres qui sont ensemble pour prendre la décision. Acte 20, 28, on l'a déjà lu. On passe à l'autre. Philippiens 1, 1. C'est Paul qui écrit la lettre aux Philippiens. Et ce que Paul euh, écrit, c'est qu'il s'adresse aux évêques et aux diacres, Donc, évêque qui est le mot épiscopaste qui, euh, qui fait qui, qui réfère au même rôle que ancien et pasteur. Hein, Timothée 4, 14 nous dit encore, il nous parle de l'Assemblée des Anciens. Est-ce que c'est tout? Non, il y en a beaucoup plus. Hein? Donc, toutes les fois où ça part d'anciens dans la Bible, c'est au pluriel que les anciens qui dirigent bien, on va le relire tout à l'heure, titre 1 encore, le texte qui est devant nous, que tu établisses des anciens et... 1 Pierre 5, les exhortations que j'adresse aux anciens. 1 Pierre 5, un petit peu plus loin, soyez soumis aux anciens. Vous voyez, le principe est comme ça un peu partout. Je pense que c'était le dernier. Hein? Le, le, le principe est partout pareil. Ça n'existe pas une Église où un seul homme était appelé à diriger toutes choses. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas et on ne veut pas embrasser ce modèle-là dans l'Église non plus. Avant même de, de venir implanter l'Église. Notre famille d'église avait un autre nom, et euh, la plupart des églises qui en font encore partie aujourd'hui, mais il y a eu un, un gros bridement dans la famille d'église en 2017 parce que la personne qui avait commencé euh, la famille d'église au départ ben, était une personne qui finalement avait adopté ce modèle-là de, de, de pasteur qui peut faire tout ce qu'il veut. Et en 2017, ben, lui-même a décidé de mettre fin à, à tout le mouvement et les églises qui sont restées ensemble, qui ont dit Nous, on veut quand même faire partie d'une famille d'églises. On a recréé un nouveau mouvement qui s'appelle le Great Commission Collective. Avant, ça s'appelait Harvest Bible Fellowship. Peut-être qu'il y en a certains qui le connaissent. Notre pasteur, avait euh, notre, le, le dirigeant à la base, avait cette mentalité-là. Puis finalement, les églises ont fait de la pression depuis longtemps pour dire Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas ce qu'on trouve dans l'Écriture. Et on doit embrasser ce modèle de leadership qui est. Tellement biblique. On doit être une, multipli... une, une pluralité d'anciens. Et donc, ce n'est pas, pas biblique d'avoir un, un one-man show. Vous avez déjà vu ça, hein? Je suis sûr que vous avez déjà vu des églises comme ça. Parce que c'est une personne et sur ses épaules repose tout le ministère. Mais ce n'est absolument pas biblique. Des anciens doivent être établis dans chaque église. Mais attention, le processus de sélection est sérieux, est extrêmement intense, puis est extrêmement important de comprendre pour chacun de nous. Je dirais même que euh, ici, lorsque Paul est en train de donner les instructions à titre pour pouvoir sélectionner des anciens, regardez avec moi la liste qu'il nous est donnée ici, puis euh, vous allez comprendre à quel point ce n'est pas n'importe qui qui peut être ancien dans une église. Ici, dans, dans 1 Timothée 3.1, et je vous le mets à l'écran ici, tu peux mettre la prochaine euh, slide. 1 Timothée 3.1, il nous est dit euh, Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Autrement dit, c'est correct si dans ton cœur, tu as cette aspiration-là. C'est correct si tu désires devenir un pasteur, un ancien, un évêque. Euh, C'est correct d'avoir ce désir-là. Mais regardez d'une manière très simple. Ça commence avec une aspiration, mais je vous donne euh, euh, cinq points qui résument un petit peu notre mode de sélection à l'Église d'Oxford, basé sur l'écriture. Ici, euh, la, la, euh, vous connaissez les livres euh, « For Dummies », euh, pour les nuls, donc si on dit voici la manière de, de sélectionner un ancien pour les nuls, on, on, on suit la parole de Dieu, puis on croit que ça commence avec une aspiration claire, il y a un désir clair qui monte dans le cœur de la personne qui désire être ancien. Ensuite de ça, il y a un caractère saint, ce qu'on va voir ensemble ce matin. Il y a un, un, un modèle de fidélité, autant au foyer qu'à l'église, que dans sa vie personnelle, un exemple d'amour puis un homme capable. Autrement dit, il y a quand même des qualifications où tu dois être capable de remplir le rôle que Dieu t'appelle à remplir. Donc euh, on va développer ça ensemble ce matin à travers les différents points. Autrement dit, si je le reformule d'une manière peut-être plus simple pour certains, il doit avoir une bonne motivation, il doit avoir un bon caractère, il doit avoir une bonne doctrine, il doit avoir un bon témoignage, puis il doit avoir les bonnes capacités pour remplir son rôle. Donc, c'est ce qu'on fait à l'Église d'Oxa. Vous pouvez encore une fois aller parler à Francis, ça fait deux ans que Francis est, est sur le Conseil d'Anciens, que Francis est, est testé, que Francis est, est challengé, qu'on lui donne toutes sortes de lectures, qu'on forme au niveau de sa théologie, au niveau de sa pratique, et qu'il est en train de prendre de l'expérience là-dedans. Demandez-lui si, si c'est simple ou non. Mais attention, on, ici à l'Église d'Oxon, on, on croit que absolument tous les rôles de leadership possibles dans l'Église, euh, tous les postes que vous pouvez penser de leadership sont disponibles autant pour les hommes que pour les femmes. Le seul rôle que la Bible nous enseigne qui est réservé aux hommes dans la Bible, c'est celui de pasteur, d'ancien, d'évêque, qui est en fait trois mots pour le même rôle. On croit que les femmes peuvent servir dans tous les, euh, les autres ministères et peuvent servir dans tous les autres rôles de leadership à l'Église d'Oxa, euh, autant dans, dans, dans les groupes, autant dans... Euh, dans Pensez-y, tous les ministères, leaders de ministères, peu importe, mais le seul rôle que la Bible réserve aux hommes dans l'Écriture et que Paul va enraciner dans l'ordre de la création lorsqu'il a fait Adam et Ève, il va dire que, euh, que justement dans l'Église, la femme ne prenne pas autorité sur l'homme et que la femme ne prenne pas ce rôle de, de responsabilité et d'enseignement sur l'Église. Donc c'est le seul rôle que la Bible nous enseigne qui est réservé uniquement aux hommes. Mais, mais encore une fois, attention, ce rôle-là n'est pas réservé à tous les hommes. Encore une fois, on pourrait dire, mais OK, c'est dommage, c'est juste, euh, juste ce, ce groupe-là qui peut. Mais encore une fois, ce, ce n'est pas tous les hommes qui peuvent servir dans cette dimension-là. La Bible nous parle d'hommes qui sont qualifiés selon ce qui nous est écrit dans la parole de Dieu ici. Donc, voyons ensemble qu'est-ce que c'est que la qualification dont il parle ici. C'est le Saint-Esprit qui enseigne ça à travers l'apôtre Paul, qui est dans l'Écriture, qui est dans la Bible qu'on tient entre nos mains. Donc, deuxièmement, suivons leur exemple irréprochable. Et ce matin, je vais faire seulement, euh, seulement deux points. Je ne vais pas aller dans le troisième point. On va le prendre la semaine prochaine en parlant des, des faux enseignants au niveau de leur, de leur qualification euh, pour la parole de Dieu. Mais, mais regardez ici. Suivons leur exemple, irréprochable. Regardez les qualifications que l'apôtre est en train de donner. Il dit s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, et ici, l'apôtre Paul utilise le mot irréprochable pour englober la totalité de la vie qui va être décrite après de, de celui qui va être appelé à ancien. Irréprochable comme on ne peut rien lui reprocher, ou on ne peut pas être accusé ou, ou trouvé coupable de quoi que ce soit, et en l'occurrence ici, de ne pas remplir ses, ses qualifications. S'il si se trouve quelqu'un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni à au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. On va arrêter ici pour l'instant. Euh, non, on va aller au verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Voyez-vous ici le, le caractère qui est décrit euh, On peut lire ça et on se dit Wow, c'est lourd. Il me semble qu'il y a beaucoup de, de caractéristiques à remplir pour pouvoir être qualifié comme étant un homme de Dieu. Mais frère, ça, en réalité, les qualifications qui sont données ici jusqu'au jusqu verset 8 euh, sont les qualifications qu'on doit tous remplir en tant que chrétien. Chacun, entre nous, on est appelé à ne pas être violent, puis à ne pas être arrogant, puis à être modéré, puis euh, à être hospitalier, puis à, être, à aimer le bien, puis à être euh, euh, sain, puis à ne pas chercher un gain malhonnête, puis à ne pas être collant. C'est sont des qualifications qui sont pour tous les chrétiens. Mais raison de plus pour que les anciens qui sont appelés à être les modèles du troupeau, qui sont appelés à être les modèles pour l'Église, qui sont appelés à être des exemples pour les chrétiens qui font partie de l'Église de Christ, à combien plus forte raison eux doivent remplir ces critères-là. Mais c'est en réalité, donc aujourd'hui, vous m'entendez parler des anciens, mais réalisez que pour la plupart, à part le rôle qui est différent, on va le voir dans, dans l'enseignement et tout ça, euh, à part ce rôle-là, le reste, on est tous appelés à être des chrétiens qui remplissent ces critères-là. D'où le titre de ce deuxième point-là. Suivons leur exemple. Ici, on a une liste de critères euh, très claires, mais une liste qui est apportée presque exactement dans 1 Timothée, lorsque Paul enseigne à Timothée à établir des anciens. Il va lui donner une liste qui est presque identique, à quelques petites différences, et je vais vous expliquer pourquoi ou d'où viennent les différences. En 1 Timothée 3, les versets 1 à 10, euh, je vous l'avais à l'écran ici. Il nous dit aussi une liste pareille il dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, Réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du, du diable. Ici, les, les distinctions qui y a entre les deux, vous, allez, vous les avez peut-être notées, mais une des distinctions qu'il y a à comparer de, de Tite, euh, euh, c'est euh, juste ici il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. On, on a ça dans Timothée, l'Église était un peu plus vieille, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait là-bas, il y avait déjà plusieurs années euh, de vie pour l'Église, mais dans Tite, on n'a pas cette clause-là. Parce que l'église de Tite, l'église de, de Crète plutôt, est encore très très jeune. Et donc c'est un peu difficile d'imposer à Tite de trouver des gens qui ne sont pas des nouveaux convertis, parce que la plupart étaient pas mal toutes des, des nouveaux convertis. Mais il reste que les qualifications qui sont données doivent quand même être rencontrées, qu'ils soient un nouveau converti ou un vieux converti, si on veut. Ici, on a une description de qui doit prendre soin de l'Église de Christ. Le mot irréprochable est ramené deux fois. Et premièrement, ici, il nous parle d'être irréprochable dans son foyer. Il parle de, de la relation d'un homme avec son épouse et de la relation d'un homme avec ses enfants. Puis ici, peut-être que la relation avec l'épouse est un peu plus facile à comprendre parce que c'est la même répétition dans, dans les deux textes qui nous parlent des qualifications d'un ancien. Mais celle avec les enfants, bien, il y a une grande distinction encore entre les deux. Premièrement, un homme qui est appelé à être ancien, qui veut se, se qualifier pour servir comme ancien dans une église, doit avoir une relation saine avec son épouse. Il doit être un homme ici qui nous dit mari d'une seule femme. Et c'est court hein, comme, comme description, mari d'une seule femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben dans, si on le faisait lire à un enfant, probablement qu'il disait ben, il faut qu'il y ait juste une femme. Oui, c'est ça. La, la première explication du texte, c'est ça. Il doit avoir une seule épouse. Il doit être marié à une seule épouse et être fidèle envers sa seule épouse. Il doit avoir un bon témoignage auprès de son épouse, prendre soin d'elle et l'aimer comme Christ a aimé son Église. Euh, il y a certains qui vont dire, mais ça disqualifie ceux qui se sont remariés une deuxième fois. Euh, il y a des, des gens qui vont aller dans cette direction-là, mais ici, on croit que tu dois être fidèle à ton épouse que tu as actuellement et, euh, et que tu dois donner un exemple de comment traiter ton épouse encore une fois au reste de l'Église. Ici, mari d'une seule femme, c'est d'être un mari fidèle. Et je dois vous dire qu'on apprend énormément à propos d'un homme lorsqu'on regarde sa relation avec sa femme. On apprend énormément à propos du caractère d'un homme lorsqu'on regarde dans la manière dont il traite sa femme. Écoute, tu peux, tu peux porter un faux sourire si tu veux pendant longtemps, mais une des choses que je crois, c'est que tu peux voir et reconnaître le bonheur d'une épouse lorsque tu prends du temps à parler avec elle lorsque tu vois de quelle manière est-ce que son épouse peut s'épanouir dans, dans son couple. Lorsque tu vois que, justement, comme le dit les proverbes, que l'homme va porter son épouse comme une couronne. Et ici, c'est pas de dire ta femme, c'est juste un bijou que tu vas montrer aux autres pour te vanter, mais c'est plutôt la fierté que tu as. La couronne, tu la mets pas dans tes poches pour te promener avec dans la rue. Tu la mets sur ta tête pour que tout le monde la voie et fier. Et c'est la même chose pour un mari qui, qui aime son épouse et qui l'honore. C'est un époux qui va être fier de son épouse, qui va reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie, qui va être capable de l'élever, de prendre soin d'elle et de la voir être épanouie en Christ, premièrement. Mais aussi dans toutes les sphères de sa vie. Donc, on peut apprendre énormément. Je vous le dis, si, si vous voulez apprendre à me connaître, allez jaser avec ma femme. Si, elle va vous dire mes secrets c'est une clause qu'on a ensemble. J'ai dit, Marie, tu peux dire tout ce que tu veux à propos de moi, sans toi à l'aise. Ça fait mal, hein? <laughs> Faites-le, allez voir. Mais je vous encourage à le faire. Si, si vous voyez des gens que vous pensez peut-être que cette personne-là est qualifiée à cause de sa grande théologie, moi j'aime m'asseoir avec la personne et puis dire, attends, on ne parlera même pas de théologie tout de suite. De quoi alors ta relation avec ta femme? Je veux, je veux connaître ton époux, je veux parler avec ta femme, je veux voir comment ça se passe à la maison. De la même manière, euh, ensuite, il va parler de, de la relation avec les enfants. Il dit ici dans le texte, et ça a apporté beaucoup de confusion, euh, dans, dans, dans de débat aussi à travers les théologiens, mais ici il nous parle qu'il doit avoir des enfants fidèles. Et le mot fidèle ici, pistis, nous parle de, de la foi et, et, et de cette confiance-là. On utilise le mot de, de plusieurs manières. Ici, il y en a plusieurs qui vont dire bien, des enfants fidèles veut dire que c'est des enfants qui sont sauvés et qui croient en Jésus-Christ. Bien... Il, il y a un petit problème ou un petit défi avec ça parce qu'ici, on vient de le dire en Crète c'était pas mal tout des nouveaux croyants qui étaient là donc première génération de croyants les enfants grandissent derrière eux et ils devaient pas avoir beaucoup d'enfants à moins que ce soit convertis en même temps que leurs parents qui soient chrétiens et deuxièmement ici le, le Seigneur nous appelle à travers Paul à mettre en pratique, il appelle l'ancien à vivre d'une certaine manière. On croit qu'il y a une responsabilité de mettre en pratique la parole de Dieu. Et laissez-moi vous poser la question, parce que c'est ce qu'on croit ici à l'Église d'Auxa. De Qui d'entre vous est capable de convertir ses enfants Pas moi en tout cas. Ce qu'on comprend de la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit doit faire une œuvre dans le cœur des enfants. Ce n'est pas parce qu'on a un grand talent à prêcher l'Évangile à nos enfants que nos enfants vont devenir chrétiens. On prie pour ça à chaque jour de nos vies. On demande au Seigneur Seigneur, sauve mes enfants, change-les, transforme-les. Et on sait que, que Dieu entend nos prières. Mais il reste que. Il y a juste Dieu qui peut changer le cœur de nos enfants. Donc, la qualification ici, si on dit ben, ça veut dire qu'il doit être capable de convertir ses enfants, sinon il n'est pas qualifié pour être un ancien, ben, comment on l'applique aussi après dans la vie de l'Église mais il faut que cet ancien-là vienne convertir les gens qui viennent à l'Église, sinon il n'est pas qualifié pour être un ancien. Donc, on ne croit pas que ça veut dire directement euh, que ça doit être des enfants qui qu sont sauvés. Il y en a qui croient ça. Euh, vous avez peut-être entendu parler de Doug Wilson, non, quelques-uns d'entre vous, euh, qui croient que ça doit être seulement des, euh, des, des, des hommes dont les enfants sont, sont sauvés, sont croyants. Et, euh, et mais nous, on ne croit pas ça ici. Si on croit que, que la parole de Dieu ici fait référence à, à un principe de fidélité. Vous voyez ce qui est écrit dans le texte. Il nous dit... Ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Et quand on regarde au verset euh, parallèle dans Timothée, il nous dit Parce que si quelqu'un n'est pas capable de gérer sa propre maison, comment est-ce qu'il va gérer l'Église du Seigneur Donc ici, il est en train de nous donner un principe de gestion de dire, est-ce que tu es capable de gérer ton foyer Les enfants passent tous à un certain moment par une, euh, une crise de rébellion où est-ce qu'ils commencent à, à vouloir opposer tout ça parce que mon fils, il est là, je ne veux pas trop parler de lui, là, parce que c'est pas lui, les autres. Mais, mais on passe toutes par une phase où on a de l'opposition, où on est rebelle. Où on, où... Mais est-ce que le Père est capable de garder cet ordre dans son foyer quand même, où le respect et l'obéissance est honoré dans son foyer? Encore une fois, si son foyer est un désordre et un fiasco, est-ce qu'on veut lui confier les brebis que le Seigneur l'appelle à servir? Donc ici, on croit que l'Ancien est appelé à, premièrement, avoir un foyer qui en a le Seigneur. Un foyer où c'est évident que son, son caractère est testé. Déjà, tu peux mentir et faire semblant que tu es sain, mais lorsque tu parles à l'épouse d'un homme, ben, elle peut te révéler des secrets. Lorsque tu parles à ses enfants, et Dieu sait que mes enfants parlent beaucoup, vous pouvez tout savoir sur moi en parlant à mes enfants, les enfants peuvent tout vous dire. Et lorsque tu parles avec les enfants, tu te rends compte du vrai caractère de la personne qui est devant toi. Donc, il, il nous parle du foyer, puis ensuite, il nous parle du caractère directement de l'homme. Non seulement ça, comment il traite son épouse et ses enfants, mais de quoi a l'air son caractère. Autrement dit, sa conformité à Christ. Et ici, je vous invite vous-même à laisser l'esprit sonder votre cœur pour savoir, est-ce que, est que vous marchez de cette manière-là? Est-ce que vous représentez le Seigneur dans votre vie? Au niveau de comment vous vivez ici, il nous dit que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Et c'est le, le premier critère, il doit réaliser que la responsabilité qu'il lui a donnée, c'est n'est pas sur ce qui lui appartient à lui. Donc certains ont cette mentalité-là où est-ce que je suis en train de bâtir mon propre royaume et je veux moi régner sur ce petit royaume-là, je veux mon avancement, je veux, je veux, je veux mon avantage. Alors qu'ici, nous dit non, non, tu es l'économe de Dieu. L'église que tu sens c'est pas ton église Éric, c'est l'église de Christ. L'Église que tu es appelée à servir, ce n'est pas l'Église qui, qui te revient à toi et ce n'est pas toi qui es loué, ce n'est pas toi qui adoré, es adoré, tu n'es pas le centre, mais c'est Christ. Et tu gères les choses qui appartiennent à un autre et ça doit apparaître dans la manière dont on gère les choses. Vous voyez, vous n'avez vu dans les journaux, ça sort de plus en plus des gens qui ont. Et même à Montréal, ici, on a entendu récemment qui est passé aux nouvelles, cet homme-là qui a volé l'argent des chrétiens qui étaient dans l'Église et qui s'est fait une fortune avec ça et qui a continué de, de faire toutes sortes de, de plans pour essayer d'inviter, de, 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 d'insister pour que les gens l'enrichissent lui. Et ce n'est pas l'appel que Dieu met sur notre vie nous sommes pas économes de nos propres biens mais des choses qui appartiennent au seigneur et ça doit être évident et on reconnaît la maturité d'une personne et la qualification d'une personne en voyant de quelle manière il gère sa propre vie aussi mais ici c'est l'église de christ c'est pas la mienne donc la mentalité encore une fois de CEO, que vous voyez que euh, c'est comme un système pyramidal dans hein, certaines églises vous voyez que, comme le pasteur qui est au top, puis les, les, le staff qui est en dessous, puis les gens qui sont en dessous, et vous voyez que, comme ce système-là, où le pasteur est celui qui, qui retire le plus et qui s'enrichit, alors qu'on est appelé à être des bergers qui servent l'Église. Christ a donné un exemple à l'Église en disant, euh, dans Jean 13, lorsque Jésus s'est abaissé et qui a lavé les pieds des disciples. La Bible nous dit Jésus a mis le comble à son amour. Il s'est abaissé devant eux, il les a servis comme le plus humble des serviteurs, puis il a dit Maintenant, ce que je vous ai fait, vous devez le faire aussi. Jésus ne donne pas un exemple de, de celui qui vient juste euh, dominer d'une manière lourde, bien que lui peut le faire, il peut régner, il est appelé à le faire, mais il nous a donné un exemple pour que nous, on serve les uns les autres. Ici, le premier critère, euh, on a une série de critères de ne pas, puis ensuite, on a une série de critères de fait ceci. La première catégorie, c'est ne pas. Et la première chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit arrogant. Oh mon Dieu, que j'aime que ce soit écrit dans la parole. Puis il ne faut pas que cet homme-là soit arrogant. Vous connaissez des gens arrogants dans votre vie? Des gens qui sont toujours au-dessus des autres. Des gens qui méprisent toujours les autres et qui savent toujours mieux que les autres comment faire. Que leur, les, ils peuvent parler aux autres, puis leurs compétences sont toujours supérieures. Vous les écoutez parler et dans leur bouche, ça sort évidemment qu'en un instant, ils feraient tellement mieux que tout ce que vous pouvez faire dans le domaine que vous faites en ce moment. Vous connaissez des gens comme ça. La Bible dit ici, il ne faut pas qu'ils soient qu arrogants. Il ne faut pas que ce soit un homme qui se pense plus important, un, un, ce qu'on appelle en québécois un petit connaissant qui a toujours raison, pas enseignable, tu ne peux rien lui dire, il n'y a rien qui rentre parce que tout ce qui, qui arrive avec cette personne-là, c'est que ça sort de sa part. Puis les autres doivent y écouter parce qu'il est supérieur. Et c'est un principe qui est absolument en horreur aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il rentre dans une pièce, toujours lui qui est le big shot. Toujours le, sa voix qui est la plus belle mélodie à ses oreilles. Un homme qui est arrogant est impossible à travailler avec. C'est impossible de travailler en équipe, c'est impossible d'entendre de, et d'écouter les autres lorsque tu es toujours en train de penser que tu es au-dessus des autres. C'est un homme qui va imposer ses idées au lieu de travailler avec les autres. Et c'est un homme qui, au bout du compte, va amener juste la division entre les différents anciens ou, ou dans l'Église. Certains d'entre nous vont dire mais, mais il est tellement doué, il y a tellement de dons, il, il, est tellement, il prêche bien, il enseigne bien, il fait telle et telle chose, et, il y a tellement de dons. Oui, mais ces dons vont amener seulement à diviser puis à faire du mal plutôt qu'à construire et à bâtir, parce que lui est en train de bâtir son royaume au lieu de bâtir celui de Christ. Il continue en nous parlant d'un homme qui s'emporte rapidement dans la colère, il nous parle même de, de violent, quelqu'un qui ne, qui ne contrôle pas son tempérament. Et encore une fois, je peux vous promettre que lorsque tu es dans le ministère pastoral, les occasions de se mettre en colère, les occasions de, de perdre patience, les occasions de perdre le contrôle de soi se multiplient par 4000. C'est faible comme chiffre. Les occasions se multiplient. Si c'est un homme qui est incapable de contrôler son attitude, de contrôler son tempérament, c'est une personne qui ne va pas bâtir encore une fois, mais qui va détruire. On nous parle de violence ici, mais, mais encore. La violence ne se manifeste pas seulement lorsque tu frappes quelqu'un au visage. Est-ce que, est que les gens qui travaillent avec toi, est-ce que les gens qui t'entourent seraient capables de dire, cette personne-là, -là, je n'ose même pas aller lui dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec son travail, parce que j'ai peur de sa réaction. Cette personne-là, je ne peux, je peux même pas l'approcher ou, ou discuter, je ne peux même pas lui témoigner lorsqu'il y a quelque chose qui m'a blessé, parce qu'oublie parce que, ça, il, il va péter les plombes, ça, ça va mal finir. Peut-être pas avec ses points, mais avec ses mots ou avec son attitude. Peut-être même dans le fait de, de bouder parfois. Comment ça se passe lorsque tu as un conflit avec un frère ou une sœur? Encore une fois, dans l'Église, ça va se passer très souvent. Est-ce qu'on va partir directement avec des, des attitudes qui vont va, qui va creuser le fossé entre nous deux ou est-ce qu'on va être de ces hommes de paix qui amènent la réconciliation? Donc, ces personnes-là qui, qui ont une attitude de violence, une attitude qui, qui est toujours en train de s'opposer aux autres, tu le vois dans les discussions. Lorsqu'on est dans un groupe et qu'on essaie de, de parler d'un sujet qui, 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 qui impose ses idées et qui fonce dans le tas au lieu d'être un homme doux, enseignable et qui peut grandir avec Christ, il nous parle d'un gain malhonnête. On ne doit pas euh, chercher à, à avoir un gain qui, qui est déshonnête, qui est malhonnête. Et, et ici encore, est-ce que tu veux vraiment confier les brebis de Dieu et, et la responsabilité de diriger l'Église à quelqu'un qui est malhonnête dans les petites choses? Non, mais il, il fait juste voler des heures au travail. C'est pas si pire. Tout le monde le fait. Non, il fait juste voler un petit peu à son travail, à, il prend du matériel qui appartient pas, ou, ou encore il, il va aller dans le ministère pastoral parce que pour le salaire, <laughs> ça je vais rire à ça, mais, <laughs> mais il y a certains endroits où c'est possible, vous voyez, de s'enrichir, de faire ça pour avoir. Et le gain des honnêtes n'est pas seulement financier. Le gain des honnêtes est encore une fois pour mon avancement, pour ma gloire personnelle, pour monter les échelons, pour être vu, pour être reconnu. Il y a un gain dans l'approbation des gens qui est possible aussi Dieu dit c'est pas ce genre d'homme-là que j'appelle à servir mon église. Paul explique qu'un homme qui arrive pas à gérer lui-même et en qui le caractère de Christ n'est pas formé, autrement dit qui ne reflète pas la sainteté que le Saint-Esprit fait puis agit dans notre cœur quand il vient habiter en nous, n'est pas qualifié pour être un ancien dans l'église. Ici on n'est pas en train de parler de perfection, vous comprenez si la Bible nous disait il y a juste les hommes parfaits qui peuvent être anciens, ben, il n'y aurait aucun ancien dans aucune Église qui serait jamais qualifié. Parce qu'il y a un homme parfait qui a marché sur la terre, qui est venu mourir à notre place sur la croix, puis il a reçu le châtiment que nous, on méritait, puis il a pardonné tous nos péchés pour que par la foi en lui, on puisse avoir la vie éternelle. Si tu crois en lui ce matin, tu peux être sauvé aussi. La réalité, c'est que c'est le seul à avoir marché sur terre qui était parfait. Les autres sont des hommes imparfaits. Des hommes qui ont besoin de la grâce de Dieu à chaque jour, mais lorsque tu regardes dans leur vie, tu peux te dire Oui, je vois le fruit de l'Esprit travailler en eux et puis ils peuvent être les modèles du troupeau. Une quelques petites questions faciles pour tester le caractère d'une personne. Pour te dire, est-ce que, est -ce que cette personne-là est, est, est déshonnête? Est-ce que cette personne-là travaille pour son petit royaume, arrogant, ou est-ce que cette personne-là vraiment est une personne qui reflète le cœur de Christ? Quelques questions pour vous autres, OK? Pensez-y, mais, mais sondez votre cœur en même temps, puis demandez au Seigneur d'agir. Puis de vous transformer un peu plus par son esprit à l'image de Christ. Comment est-ce que la personne répond à la réprimande? Ah, oh, ça, c'est une chose qui révèle énormément. La personne qui ne peut pas être corrigée dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle qu'elle est parfaite. Personne ne peut rien dire à propos de moi. Est-ce que votre pasteur, on peut le corriger? Il y a certaines personnes qui sont dans l'Église ici et qui l'ont déjà fait. Je peux vous en nommer si vous voulez, puis vous irez leur poser la question après le service. Comment est-ce que la personne réagit aux commentaires? Par exemple, la personne va servir on lui fait un commentaire, une critique sur son service. Comment la personne va réagir? Comment la personne agit lorsqu'on lui confie de petites tâches? Ah, mais moi, je ne peux, peux pas juste laver les toilettes. Je suis appelé à être là dans l'échelle des, des services spirituels. Je ne peux pas juste aller. Tu comprends, faire des petites choses? Tu lui confies ça, puis la personne dit Ok, je vais le faire, je sais qu'il faut que je paraisse humble pour monter les échelons, puis tu vas le voir dans son attitude de service. Mais de voir des personnes comme mon frère Pierre et Joanne qui viennent à chaque semaine faire le ménage à l'église avec le sourire sur leur visage, on peut, ça paraît que ça leur fait plaisir, et merci, on vous remercie pour ça, mais c'est une grâce, le plancher est propre ce matin parce qu'ils sont venus servir avec le sourire aux lèvres cette semaine. Des personnes qui servent en disant Moi, je dois être en haut, c'est des personnes automatiquement qui ne sont pas qualifiées. Comment ils réagissent lorsqu'il y a un, un refus. Lorsqu'une personne t'apporte une idée et que tu dis, tu sais quoi, peut-être que l'idée n'est pas mauvaise, mais on n'ira pas dans cette direction-là. Oh! Quelle réaction ça provoque en-dans toi! Est-ce que tu es là pour servir ton royaume ou celui de Christ? En gros, le temps est notre meilleur compagnon pour choisir les anciens. Lorsque tu passes du temps avec des gens, le Seigneur te permet de voir des choses dans leur vie, Il te permet de voir la maturité, le caractère. Écoutez, le, le langage qui est utilisé ici est, est, est très fort, est très, très fort et très important. Et, et lorsqu'on arrive au verset 8, et je termine avec ça pour ce matin, quand on arrive au verset 8, il nous dit mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant D'une certaine manière, on pourrait résumer euh, l'ensemble du caractère de la personne qualifiée par saint. Est-ce que c'est une personne qui ressemble à Christ? Ici, on a deux mots qui sont mis un à côté de l'autre, hospitalier et ami des gens de bien. Ami des gens de bien dans Louis II 1910 que j'ai devant moi, c'est n'est pas nécessairement la meilleure traduction, c'est quelqu'un qui aime le bien. Ici, on a deux mots avec la même racine en grec, hospitalier. Euh, on est arrivé avec ce mot-là en, en français. Hospitalier, on pense à hospitalité. Mais ici, euh, le mot en grec, c'est l'ami des euh, étrangers. C'est celui qui aime l'étranger, l'hospitalité. Celui qui est hospitalier. Donc, c'est celui qui aime l'étranger. Autrement dit, l'hospitalité n'est pas juste d'inviter quelqu'un qui va pouvoir te réinviter la semaine prochaine. Mais c'est quelqu'un qui facilement va accueillir l'étranger chez eux, quelqu'un qui ne peut pas lui remettre par la suite. Celui qui va accueillir la personne qui est dans le besoin, qui va l'aider et qui va prendre soin de cette personne-là. Ami de l'étranger. Et deuxièmement, celui qui aime le bien. Est-ce que de manière générale, quand tu regardes à la vie de cette personne-là, c'est une personne qui aime le bien ou est-ce que c'est une personne qui aime le mal? Et je suis béni ici à l'Église d'Oxod de pouvoir témoigner de plusieurs d'entre vous autres qui est un témoignage d'hospitalité, juste dans la dernière année qui vient de passer. J'ai vu certaines familles dans l'église ici qui ont accueilli des, des gens qui venaient de se faire mettre dehors de la maison, puis qui étaient dans toutes sortes de problèmes, de, de, de drogue, de, 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 de chicanes et tout ça, puis qu'ils ont accueilli sous leur toit pour prendre soin d'eux. J'ai vu un autre frère qui est arrivé récemment de la Roumanie, qui était retourné après ça à, à l'île du Prince-Édouard, dans ce coin-là, Charlottetown, et, et qu'une soeur de l'Église l'a accueilli dans sa maison pendant plus qu'un mois, gratuitement, à ses frais, prendre soin de lui. Il m'écrivait et il me disait Je me sens accueilli comme un roi. Je ne fais même pas mes repas. C'est elle qui fait toute euh, ma nourriture. Plusieurs témoignages, des gens qui ont accueilli des membres de la famille qui étaient dans le besoin. Vous êtes des témoins de tout ça. Vous êtes des gens qui représentaient cet amour-là. Et, et encore une fois, ce n'est pas juste les pasteurs qui doivent pratiquer l'hospitalité, mais chacun d'entre nous. L'Église va changer dramatiquement si chacun de nous on prenait au sérieux cet appel-là de s'accueillir les uns les autres, d'investir dans la vie des uns les autres puis de se manifester de l'amour de la sorte. Donc, euh, les musiciens peuvent s'approcher, on va, on va terminer en chant. C'est est un message qui, qui est particulier à prêcher parce qu'on veut enseigner à l'Église des qualifications. Puis on se dit OK, mais, mais qu'est-ce que ça change pour moi qui n'ai pas un ancien lorsque je pars de la salle ici ce matin Mais en réalité, on est tous appelés, comme j'ai dit, à suivre le même modèle, mais on est tous appelés à prier aussi. Et je veux encourager chacun d'entre vous autres ce matin à pouvoir commencer à prier pour les anciens ici à l'Église Doxa. Priez que Dieu élève. En ce moment, euh, notre modèle d'ancien n'est pas normal. Et j'ose vous le dire, notre modèle d'ancien n'est pas normal parce que nos anciens sont, sont à côté à longueuil. Ils supervisent, je ne suis pas tout seul, je ne prends aucune décision seul, ils me corrigent quand c'est le temps de me corriger, ils me reprennent quand mes idées sont complètement folles, ils continuent de donner une direction à l'Église. Mais le but de l'Église, comme Paul l'enseigne à titre, c'est que chaque Église ait des anciens au sein de son Église. Et donc, on prie que Dieu élève ici parmi nous. Ou peut-être que Dieu envoie de l'extérieur des gens qui vont avoir un cœur de joindre à l'Église et qui vont pouvoir grandir et devenir des anciens dans l'Église d'Oxa. On a besoin d'une pluralité d'anciens ici même au milieu de nous. Donc, que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. De, ce que je répète souvent, et vous pouvez aller vérifier avec Francis qui doit être à ce moment-ci tanné de m'entendre le répéter. Mais ce que je dis souvent, ce que je vois dans l'Écriture juste ici, c'est que le caractère passe avant les dons 100% du temps. Il y a des gens qui sont arrivés ici et qui m'ont approché depuis les années qu'on a commencé l'implantation. Il y a des gens qui sont littéralement arrivés devant moi, je vous l'ai déjà dit, hein, mais qui sont arrivés devant moi et qui ont apporté leur CV, ils ont mis ça sur la table et ont dit « Regarde comme ton église serait bénie d'avoir une personne comme moi. » Ce ne pas les mots qu'ils ont employés, mais c'est ce qu'on a ressenti puis ce qui est arrivé à travers nos différentes conversations avec la personne. Je dis « Ok, c'est parfait, gloire à Dieu que tu aies ces dons-là. Mais viens, on va passer du temps ensemble. Viens, on, je veux connaître ton caractère. Je veux voir qu ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que c'est ce que la Bible m'enseigne à évaluer. » Donc, prions ensemble. Si vous voulez, je vous invite à, à prendre un temps de prière tout de suite à votre place. Puis, euh, peut-être que vous pouvez prier pour l'ensemble de vos anciens en ce moment. Priez pour Francis. Ça fait deux ans qu'il est ancien en formation. Et euh, ça fait deux ans qu'il est testé, qu'il est éprouvé. Sa formation n'est pas terminée encore. Mais on veut prier que si c'est la volonté du Seigneur, que Dieu permette que Francis devienne un de nos anciens ici à l'église d'Oxa. Mais priez aussi que Dieu envoie ou que Dieu élève parmi nous des hommes qui vont être qualifiés et qui vont pouvoir remplir ce mandat-là. OK? Faisons-le tout de suite.